en base l'an mort sans jour 400 marozo crasé plat 400 marozo pas ta doit exister encore depuis après et mes questions l'an mort gaspillage depuis les gaspiller l'an mort sans jour font baisser. Les poser question, les descendre, on toujours dit nous ça, moun senti bon mieux, on pas venir là pour venir dire nous les porte bagaille, on toujours aller chercher information. Les dit côte nan mo sans jour passé, l'an mo sans jour, li font poser le pas quoi des bouquets nan mon a parlé là. L'an mo sans jour, li pas dans basi nan mon a parlé là, depuis après l'an mo gaspillage, monsieur ça elle perd diplôme. Li gen plime k'ap rache sou pou li pa gen même force là encore. Ça qui veut dire gaspillage, c'est ton force nan base là. Et bien, soldat tombé, soldat arrêté dans base 400 Marozo, Saint-Domingue pour col, l'aime compter Saint-Domingue et presque prend environ 20 à 30 nègres dans base 400 Marozo. Nous songez dans Las Américas comment on était fouqué un paquet. Nous songez sous frontière comment on toujours vinn là pour me dire la police mettait main dans collecte un paquet de soldats 400 Marozo. Et bien hier dans zone Gantier, la police pral font pote boue, la police pral krasé tête trois nèg. Image ça yo pas la peine pour ta garder avec. Parce que me sens si pour en pile, image ça yo ka dérangé ou. La police gaspillé, la police rache, krasé sou kon tire taille viande poule qui sous bac marchand nan marché kwa bousal. La police rache, krasé ti miyet moso. Nèg yo en bas coup de balle et la police saisit des bons maman poule des bons guitar en bas mais la police nan moment n'a parlé là en bagay yo compliqué 400 marozo prend froid et mais moun y a fait affaire yo tout m'a fait beur yo nèg k'ap fait commission nèg ki campé k'ap critiquer directeur général au dossier là côté yo t'a accusé chef cabinet premier ministre comme moun yo relé monsieur 30% Oban, comme moun kap défendre 30% et que si yo pa bay pal si yo pa bay payo si yo pa longer 30% pal la bali la ba instruction pour révoquer dans job là. Est-ce que c'est vrai monsieur Saturne est à monsieur 30%? C'est ça qu'a posé, c'est question qu'a posé dans le temps de Youri la tortue. Yo te dit yo te relé Youri la tortue, Youri 30% sous tonton qui était premier ministre. Donc ça a toujours existé. OK? Ça a toujours existé. Depuis nèg la pas ka fait, depuis nèg la pas ka fait, nèg ak femme n'a pas ka fait et dégoûté par là. Ça a les commissions, il y a les coutailles, ah ouais. Depuis pas ka fait coutaille là, dossier va passer. Donc la balle passe mais l'homme ne passe pas. Ah ouais? Donc ça veut dire que ça gagne la journée aujourd'hui là. Gros dossier dans la République. Yon terrain ak yon ki yon kay sou li. Alfredo Antoine, ancien député Pétionville. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ta tamen procédure pour vendre terrain ça mais c'est sous Diemlé. Jean-Baptiste, ancien directeur général ONA. Que dossier a été commencé. Mais d'assemblée, gros problème qui posait, à savoir, pendant vote là, pendant procédure de vote là, nous connaissons notaire, depuis c'est pré-hypothécaire, c'est pré-hypothécaire. Alors, mais oui, c'est ça. Et c'est alors, on a acheté. On a fait acquisition, on a fait acquisition de terrain avec toute caille là. Mais vinn jwenn dans limite là pendant dossier a fait outli. Notaire la vinn mouri. Kou na vinn l'autre administration. Selon député Alfredo, terrain avec caille là, yo évalué il est évalué à 1 200 000 $. Mais non niveau ONA, yo géré avec ONA, yo bay ONA et bay là pour 86 millions de gouttes, équivalent à 800 000 dollars et à 80 000 à combien de $ américains? 800 000 $, mais 800 000 $ américains.
c'est dans cœur Pétionville là terrain à Kaila. Mais ça que belle dans dossier c'est que tout parle en pile tout les qu'a fait là on a beaucoup même payé non mais procédure de vente là puisque c'est pas nouvelle administration hein la question coûte là c'est la nouvelle administration qui impliquée dans procédure là donc pas un coûte qu'a fait. Est-ce que tu as un coutail qui t'est annoncé ou bien est-ce que tu as un coutail de promesse de coutail promesse qui soit qu'à joindre dans quatre dossiers qui fait que je ne le dis là dossier ça obligé à joindre ULCC. Attention hein? Pendant ce temps même dossier ça notez la mouille pas oublier donc ça veut dire que procédure la campée où il y a ULCC convoqué directeur financier ONA. Directeur financier ONA a été convoqué. Comment M. Rélé? Ok. Et la direction générale de l'Office national de l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, prend acte de la correspondance du 27 juin 2023, ULCC, ok, par laquelle la Direction Générale de l'Unité de lutte contre la corruption sollicite la mise à la disposition d'une commission d'enquête dûment mandatée à cet effet du responsable du service de génie de l'ONA. Ça, c'est l'autre dossier. Dans le dossier, ça va arriver sous nous. Le dossier, ça belle, tellement belle. Ok, pour une audition qui se tiendra le mardi 4 juillet. Donc, c'est plusieurs dossiers gagnés dans ça. Ça, c'est responsable logistique là. Ok, Michel Saint-Fleur. Gon l'autre dossier côté directeur financier. Alors DCP, j'ai invité Michel Saint-Fleur. Oui, Michel Saint-Fleur. Pour répondre 4 juillet, pour la répondre question. BAC, qui c'est bureau des affaires criminelles. Dossier ça, avant d'arriver sur dossier financier. Oui. Pour nous garder bien pour nous, dossier financier ça. Dossier BAC là. Ok? Bah, dossier BAC là. Où est dossier BAC là? Pour aller en pile coup de côte gabay. Machine ONA. Qui a plaque, qui était supposé qu'il y a plaque ONA sous lui. Gonseye de nèg en dedans ONA qui utilisait plaque la police nationale pour mettre sous machine nan, et puis yo blende machine nan. Mes amis, moun pa mené pays comme ça. Kounen bral di se méchanceté a fè nou? Non. Donc mrele directeur général ONA Jemle, je ne sais pas ton courant de bail ça. Mais pas oublier, Jemle, il y a bien vite. ULC, c'est pour le temps. Dans quatre dossiers financiers, question qui vient avoir, question de achat, pour question caille à terre. Mais back par l'invité, pour répondre à la question, de CPJ par l'invité, pour répondre à la question sur dossier machine ONA. Qui blende, ok, qui blende et qui gagne plaque ONA, t'es supposé non, machine non, responsable, ancien responsable sécurité ONA, et voilà, convoquer le tout. Moun qui t'a connu les machines ça, y a cherché joigni, même les voyager, y a cherché joigni, y a blague Interpol dans mondial, parce que, grand pile kidnapping qui t'es qu'on a fait. Avec plaque la police. Grand pile citoyen qui victime de kidnapping, nous pas dit que machine ça en question, li gen a wa question kidnapping non, loin de là. Mais seulement un fait est clair. Retirer plaque yon machine, mettez le sur l'autre machine retirer plaque machine ça. Mettez le sur l'autre machine, prend plaque ou institution qui c'est la police nationale. Mettez le sur machine ou l'autre institution, li vle di un l'autre bagage.
En tout cas, son dossier n'a pas suivi ici à la matinée bas. Peuple haïtien, red branché, nous pas blaguer dossier. Dans dossier qui vient à ouais à question, on a terrain ça que Alfredo Antoine t'a fait acquisition, t'es permet à ce que on a fait acquisition là. Selon information nous gagnons, il y a deux experts qui viennent à ouais à question ça yo, qui évalue terrain, qui ouais terrain à tout cas là évalué à 1 200 000 $. Mais Alfredo Antoine, selon ça, il dit, il était bail au Nali pour 800 000 $. Donc c'est dans ça, monsieur investi lui-même. Tout le monde connaît, en plus, le monde connaît que monsieur investi dans la question de construction et bail ça. Donc ça veut dire que, jodi à la, il a convoqué directeur financier dans ULCC. Je pense que c'est un vice de forme. Ce n'est pas directeur financier pour t'inviter. ULCC, quitte le monde à instrumentaliser, bah, il y a n'importe qui. Dans le dossier ça, c'est pas le directeur financier, c'est pas lui-même qui a prouvé, c'est pas lui-même qui prend décision dernière minute yo. C'est le directeur général. Donc c'est Diemlin Marc Jean-Baptiste, au moins selon ça me comprend, pour être invité ensemble avec bon madame Marie Scott, pas d'accord bien invité le tout parce qu'il vient joindre dossier. OK, mais ça qui belle dans dossier c'est que tout pas depuis longtemps qu'a bail là, on a pourquoi acheter, non, on a pourquoi acheter parce que procédure la tête campé, moun qui te noté dans le dossier, moun nan font crise cardiaque, moun nan mouri, procédure la campé. Donc, on a t'assemblé, on a fait coup taille cap réglé. Qui ça a fait le abofri? Monsieur Primaturo, campé red ou on est en question de pourcentage? Monsieur Primaturo, campé red, de pourcentage par yo. Donc, procédure la campé. Donc, procédure de vote là, mesdames, messieurs, 46 millions de gouttes nous t'en a parlé à. On a pourquoi acheter l'année? On a pourquoi procéder à camper? Procéder de vote là, il camper parce que notaire là, monsieur mouri. Selon l'information que nous avons, monsieur fait une crise cardiaque, il mouri. Mais on bémol là. Mm-hmm. Notaire là mouri, le cabinet qui a assuré suivi. Non, procéder à camper. Parce qu'on veut une nouvelle administration, c'est une nouvelle, c'est une sous-administration de Diemlin. Non, ça fait honneur, c'est pas parce que notre amour fait le camper en soi. Mais pas, selon ça me comprend, selon après, c'est pas parce que notre amour. Donc c'est une nouvelle administration camper procédure. Camper procédure là, pour qu'il soit coutaille, selon ça me comprend. Par exemple, on va faire coutaille. Oui, juste. On va faire coutaille. L'homme notaire là, pas de café. Oui. Parce que son cabinet sous dossier. Parce que notre amour a fait ça pour le défaire. Maintenant, notre amour a mouru dans la procédure là. Maintenant, on y a là. Puisque madame Marie Scott lui-même, une équipe accapareur, une équipe tête chargée dans le cabinet lui, et puis chef cabinet qui mettait là, en parlant de ingénieur Saturné, que yo relé monsieur 30%, selon l'information, parce que yo dit que monsieur ça, dans toute administration de l'État, faut le pourcentage parle, qui s'en a offert la primature, qui s'en a offert cabinet premier ministre. C'est ça qui a parlé là, je vous le dis là. Donc, est-ce que c'est question de koutaï qui a parlé parce que vous n'avez pas de koutaï par yo? Est-ce que c'est parce que par un koutaï qui fait que chèque pour aljouen M. Alfredo Antoine pour terrain, pas qu'arrivé, procédure la campé? Est-ce que c'est parce que nouvelle administration là, ça a fait l'argent par yo, faut aljouen par yo, parce que tout ça qui vini, yo bloqué tout bagay qui t'a fait, sous base comme si, tout ça qui t'a fait sous Diemlin, pas bon. Je ne suis pas là pour défendre Diemlin Jean-Baptiste, Marc Jean-Baptiste. S'il faut pour monsieur prendre un coup de corde, là pour le coup de corde correctement. Parce que nous-mêmes, nous là, ok? Et que son coup de taille, là, il faut nous camper sous lit. Pas parce que je ne peux pas faire coup de taille, parce que je ne peux pas gagner avantage dans tel dossier, le dossier est obligé bloqué. Parce que ça, il ne peut pas faire travail par nous, nous obligé de faire la colonel. Faut que nous évitions ça. Mes amis, c'est parti dossier. N'a pas retourné son dossier là qui est très important. C'est dossier qui gagne à voir avec Laurent Lamotte, Michel Martelly. Dossier Laurent Lamotte, Michel Martelly. Mes amis, bah yo red. Pays
tellement souffri. Panama Papers. Nous rappelons le dossier ça. Selon un article qui sorti 30 juin qui sont passé là, dans quatre procès qui gagne ouais à café Panama Papers. Nous rentrons dans ça directement qui concerne Haïti directement. Concernant Panama Papers, non plusieurs personnalités régime tête calé a été cité dans scandale évasion fiscale, nous rappelons nous dossier ça. Selon journal américain Miami Herald, parmi eux, il y a ancien président Michel Martelly, ancien premier ministre Laurent Lamotte, ancien ministre finance Wilson Lalo, ancien directeur général CFI, OK, et centre facilitation et investissement, George Andy René, et plusieurs autres hommes d'affaires qui proches dirigeants Sayo, tant coup Ralph Pereira, grand millionnaire de son état. Nek sa pat kapé sou rien. Régime tête calé a fait monsieur multimillionnaire ak Max Alfred Buteau. Donc nous citons nom moun sa yo selon article sa qui cite nom toute personnalité sa yo. Ralph Pereira, monsieur qui gen contact direct avec des compagnies pétrolières et ça qui pral rele dossier ça Petro Pereira parce que monsieur pral permettre à ce que compagnie Go qui c'est compagnie Pal monsieur pral permettre à ce que et Trinidad dans pays Trinidad Haïti vienne importer gaz côté il pral bénéficier 30 millions de dollars gain 30 millions de dollars OK Haïti dans cadre accord pétrolier de on valeur 30 millions de dollars qui pral fait OK avec Trinidad et Tobago. Donc personnalité ça yo Michel Martelly, Laurent Lamotte, Andy René, Ralph Pereira, monsieur Saki Ralph Pereira, c'est lui-même qui met compagnie pétrolière nous connaît les Goyo, toute pompe Goyo, c'est pour monsieur ça. Yo ba monsieur licence pour le capable faire importer gaz en Haïti. Eh bien, monsieur créer des faux compagnies et puis blanchir l'argent. Donc scandale pétrolier ça qui s'est éclaté là dernier bail ça. Est-ce que moun sa yo pral nan collimateur la justice haïtienne. Est-ce que la justice haïtienne après tout scandale ça pral le parquet de Port-au-Prince pral obligé rele moun sa yo qui gen war avec scandale ça pété là. Suite à parution article ça, ancien directeur CFIA, monsieur dit pas monsieur dit l'innocent. Pendant que Laurent Lamotte bon côté parle dit c'est monsieur oui et ben moi même non mais Michel Martelly pour qu'on dit rien lui-même Wilson là nous pour qu'on t'entende ça Wilson dit mais Laurent Lamotte dit et ben moi même non m'pa konnen rien pareil ça non c'est monsieur Andy René ak Ralph Pereira qui y a avoir dossier ça peuple haïtien a fait n'a mal marché nous gen problème et puis nèg a fait l'argent sous l'argent gros l'argent. C'est parti qu'à l'argent. L'argent qui paraît avec l'argent. Donc, les gars blanchi l'argent. Dans le cadre dossier Panama Papers. Et puis, le peuple a lui-même a mouru grand goût. René a affirmé. Il était conclu amiablement avec Novelis et Miami Herald à travers rectificatif qu'il a fait en 2016 concernant Zafet ça. Mais son dossier n'a pas tourné sous lui parce que il y a en pile révélation qui fait dans quatre dossiers ça côté Ralph Pereira lui-même qui veut mettre compagnie Goyo OK qui a une licence pour importer gaz dans le pays d'Haïti régime tête calé a fait monsieur riche OK et puis next ça c'est eux-mêmes qui à la base de San Relé les manque gaz dans le pays a rareté carburant sur marché a. Il a stocké gaz et puis il a fait l'eau l'argent. Il a bail vendre gaz là sous marché noir. C'est eux qui a fait l'argent. Mais dans ce pays il prend. Donc nous tout ça nous cap bénéfice, tout ça qu'a fait là dans pays là. Mais comment pays a vivre? Nous gagne pour nous sur de ça. Mais n'a profiter moment ça
pour nous saluer divers amis qui branchent l'émission Matin Débat dans le Sahara. Et Jean-Nestor Harry, Zami Pan, et tout monsieur qui dans et base Lave Chaudière, André, Enzo, Makatur, Hans, donc nous saluons nous monsieur, et Lave Chaudière nous connaît, dans Wyden, États-Unis, dans New York. Mais monsieur, ça c'est base Matin Débat. N'est-ce que vous ouvrez la télévision pour regarder Matin Débat? Ou là samedi, Zami Pam. Et puis Jackie, point du jour, nous saluons Pascal Maître, qui toujours branché l'émission Matin Débat. Jacques Merville, tous les amis qui écoutent la radio, à tous les niveaux. En Belgique, Samuel, nous saluons Samuel. Nous saluons tout le monde en Europe, spécialement les amis qui sont en France, qui toujours branché l'émission Matin Débat. Dans le moment où on a parlé là, c'est que Gagnon et audition qu'a fait dans ULCC et côté et y a attendé dans moment ça directeur financier France Lubin. OK, et France Lubin monsieur dans ULCC dans moment là qui c'est directeur financier ONA, y a attendé monsieur là et dans quatre dossiers qui gagne avec plusieurs et transactions qui fait dans ONA. Mais nous connaît le directeur financier en question et décision finale au Panama lui-même lit là seulement pour le trancher sur question technique qui a avoir question économie et finance. Bonjour Josué Lexidor, bonjour Louko Désir, bonjour Pierre Matatout, bonjour Galette, bonjour à Telfort. À l'heure de cette émission Matin Débat, demain c'est pas le fête à l'indépendance américaine et jeudi à là c'est à la veille joie. Est-ce que je suis arrivé aux États-Unis mal en fait là parce qu'on est formalé? Et nous sommes arrivés, ah oui, monsieur. Nous sommes arrivés quand même. Donc, voyez bien, moi, s'il vous plaît. Ok, beaucoup de bien. Et bien, monsieur, mal en fait là demain. Ok, allez. En tout cas, bonne fête, Isaïus. Américain, bien, monsieur. Nous ne sommes pas américains, bien, monsieur. Américain, bien. Sors, je nous apporte. Je ne fait pays, monsieur. Sors, je nous apporte pour moi, Isaïus, César. En fait, et Martin Wabzila, c'est lui-même justement dans la partie culturelle l'année essayé, comme Daka dit ça, essayé de frôler. Elle dit, nous sommes passés, nous sommes brossés, nous sommes manqués. Je ne dis pas, ce n'est pas normal pour chaque nègre, chaque directeur général prend, ou du moins fait de l'administration publique, là, bien privé ou bien maman la papa, comme si c'est un héritage. Ce n'est pas normal. S'ils sont héritage, c'est héritage population haïtienne, non? Héritage en particulier. Donc, c'est anormal pour gain de nèg dans l'administration publique là qui pensait que pays assez pour yo, qui pensait que yo capable faire toute bagaille, qui pensait que yo ka qui pensait que Haïti c'est seul yo même qui était petite des salines, c'est seul yo qui hérité et tout ça qu'a fait dans pays là. Moi même on grain bagaille. Et dernièrement, zami an te vin la, merci en pile, oui, monsieur. Dernièrement, zami an te vin la, zami an te di et l'estomac est glissé, li mange en pile kalalou. Monsieur, mette un paquet de caca chat dehors. Bon, c'est pas parce que tout laisse pas bon pour vous pour dénoncer. L'aile bon tout. On laisse ça bon pour tout, faut qu'on admette pour dire que bon, m'té dans tel bagarre, faut qu'on dise ou bien faut qu'on dise moi-même pas participer dans œuvre malveillante ça. M'ai pas participer dans ça parce que il pas fait honneur à famille moi, il pas fait honneur tout avec population haïtienne. Moi-même Gladimir Galette, m'ai pas dit que je suis parfait. D'ailleurs, tant que l'autre l'a dit, l'homme est parfaitement imparfait. C'est-à-dire au-delà de samier comme moun nan, ça qu'arrive que on jour me commet un zak ou bien me fort yon bagay qui pas fort bien ou bien fort mal, ça c'est côté imperfection comme moun. Même garantie si me déconne l'état fort mal, m'pata fèl. Si me déconne l'état fort mal, m'pata fèl. Peut-être c'est dans ignorance moi, peut-être c'est dans nature imperfection nan que ça me fait à ça me zoula li fo mal. Et me garantis ouais depuis le fait ma premier moun k'ap vinn fè mi akout pas parce que c'est mon blessure moi pou penser. Mais tant comme d'ab dit tout à l'heure, on nèg on femme
dans administration publique là pas qu'à faire de boîte yo y a bien maman ou bien papa ou bien bien mari ou bien bien madame ni m'a prend exemple ça Isaïe se prend la même matière Office National Assurance Vieillesse c'est une institution publique qui là qui pour permettre que moi-même comme jeune garçon pendant m'a fait figue me dit m'a prédit la journée jodia qui pour permettre moi réserver demain même là ça ou pral ban moyen les doit pas même capable subvenir avec besoin garder amis ça comme corps ou bali les amis policiers à 28000 goud après 28 ans de service au sein de la PNH 28000 goud en raison de 1000 goud par année ça veut dire que ça journée jodia gen moun k'ap touche 60000 en fait 30000 goud soit 6000 dollars haïtien 35000 goud 7000 dollars haïtien li pa capable répondre avec besoin on prend un père de famille bon on dit l'a touché 35000 goud li gen deux ti moun l'école li gen deux ti moun l'école li gen kay pou le payer li gen boîte chaque matin ça 35000 goud pour le faire pour lui bon excusez-moi ça me va dire parce que pas gen gros l'école pas gen ti l'école il s'agit de l'école tout simplement et sauf s'il ta met ti moun yo nan nan l'école nationale tel bagay même là encore pas gen ti l'école pas gen gros l'école non pas gen gros l'école non mais écoutez et boîte chaque matin au contraire 35000 gouttes au cap saisi ouais li pa permet li pa aider papa petite ça en rien non surtout si maman pa fè rien parce que nous réalité pays a déjà sou rive nou famille maman travaille c'est soit madame ak mouche sa yo nan concombret avec moun ki l'administration publique là ou bien c'est un héritage yo vinn jeune bon gen en pile tout gen là dans yo faut reconnaître ça c'est méritocratie qui permet yo rive là on ça me dit là mais gon paquet l'autre c'est sous base zami taille oui men et c'est ça qui a craser pays oui et des fois base zami taille là qu'on fait que moun ki nan poste pas même ka fait travail là non donc on comprend fort pardon on comprend fort mal pour que yon institution a acheté ou bien a fait yon contrat a acheté un bagage quelconque on bien mobilier ou bien immobilier tout ta capable bon machine parce que directeur général qui t'est lancé ou bien qui t'est entamé démarche là vinn révoquer ça vinn annuler tout ça que t'es gétan fait sous qui base d'ailleurs ouais moi même qui t'a vendre bien ça m'ta fait au pays dédommagement à l'aise parce que d'entrée de jeu t'es un contrat signé et une fois que contrat est signé en bonne et due forme on nouvelle administration vinn il dit non ou t'a dédommagé et comme dédommagement m'a demandé là t'a plus que comme t'a vendre parce que yo ou fait me camper business moi pendant que dans processus là voilà go paquet l'autre monde qui m'a demandé m'ca l'acheter tout moi m'a venir défendre aucun monde là non ni Alfredo ni ancien député Alfredo ni administration ona m'a venir défendre ni l'autre c'est pas parce que matin m'a parlé de administration ona moi si effectivement j'ai information vinn jeune nous ici à matin de basse salta et nous estimer que ça c'est pire vol là m'pap dédouaner ancien député Alfredo Antoine tout ou bien m'pap blanchir ou bien m'pap connait m'pap défendre ni voilà le mot m'pap défendre ni tout non mais comme journée jodi a c'est moun qui capable paraître victime dans cadre contrat ça peut-être capable paraître victime dans cadre contrat ça mais puis devant tout signe jeune bagarre Alfredo Antoine Junior mille là dans on zak louche n'a dénoncer le tout et ça ne fait plus bien pas bon ici et c'est rôle nous tout comme journaliste oui dénoncer tout ça qui pas fait bien dans société a pour un attirer attention société a et deux faire moun k'ap voler yo prend meilleur forme quoi yo parce que pour diable qui ça n'ga fait nous pas ka arrêter nous pas ka faire c'est ça n'ga fait et les n'a dénoncer moun tout nous pas faire dans objectif ou bien pas connait pour détruire s'allier comme moun non non au contraire nous faire pour un pour nous toucher conscience li si conscience li gen et puis pour nous éveiller orgueil li tout pour dit bon pas faire ça encore et puis n'importe l'autre proposition qui vient jeune indécente qui vient n'importe l'autre proposition indécente qui vient jeune pour dit non li pas là-dedans parce que le défait déjà ti monsieur Martin de Bayo relé DL yo avilil et même j'entoure dans même Martin de Bayo salon nèg font bagarre qui bien
nous bat bravo pour lui tant que décision ministère justice t'est prendre parler les ministres justice t'ont dit nous gagner des trois petits que j'ai parti à botte lui nous prend une décision pour la tout récemment bat bravo pour lui c'est ça lui nous apprendre apprécier geste qui bon yo mais le voye baba met là pour nous tout ça pour ramasser lui on pas quitter là pour nous venir propter son faire pour donc lui anormal lui pas normal on a monsieur dame il pas bien papa n'a maman on a ces bien population haïtienne dans lui comme qui nomme nous on a bail des partisans n'a fait bail pas nous bail pas qu'on était en bas avec lui et pas cob nous lié c'est pas cob nous c'est cob contribuable c'est cob moi même Gladimir Galette comme jeune garçon qui a bourriqué levé chaque matin garder qui ça cap dominer on pas connait ça actualité pour m'a garder faire des réflexions avant me venir là dormi ta pour m'a chercher information chercher connait pour chaque jour on presse m'a voyer costume m'a voyer chemise et que ça cap venir dans même comme reste dans salaire moi pas quand même utile moi même faire me faire avec honneur mettre là me faire avec fierté tout fait là avec fierté. D'ailleurs, m'pa t'ap senti à l'aise pour m'pa tant hier soir, m'a regardé match à la caï moi, gros zami krelim, ni nan tel ba, OK, me déplacer, l'aime paraît, tout monde m'a fait débat, Son fierté et même je sais voler, m'd'ap voler là. Yo t'ap deal. Et même j'ai tout, n'importe proposition on badman vinn fèm, mon cher Odie de colonel m'a vlek nan dan. Parce que si hier soir m'pa ton côté, yo acclamé moi, yo félicité moi, m'pa d'accord pour m'pa ton côté pour dire métier voler. Non. Ça pas là dedans. Donc monsieur dame prend forme quand nous prenons nous on a pas on a en soi l'administration publique pas veut dire que c'est vous même qui chef c'est au cap gérer c'est au café toute bagaille non administration publique veut dire bail service public aussi simple que ça bonjour Telfort Bonjour Gladimir Galette bonjour Esaü César bonjour Pierre Martin Tatout Josué Lixidor également notre chef d'orchestre Louko Désir. Nous comptons pile les amis auditeurs pour nous rejoindre aujourd'hui, qui c'est lui-même c'est lundi 3 juillet 2023, jour qui avance vraiment à grand pas. Vous imaginez que nous déjà dans 7e mois pour année 2023, son année qui finit, ils n'ont pas de jour encore. Donc là, on n'a pas avancé directement vers la fin, mais la question qu'a posé, c'est qui ça qui fait, qui ça qui dit, qui ça qui a fait, qui ça qui a pensé, qui ça qui a planifié, qui ça qui a organisé, son ensemble de questions justement qu'on est capable de poser. Mais moi certain que réponse yo pas trop agréable que ça, hein, pas trop agréable que ça. Là et la nouvelle fonkouy avec colonel Imler Ebu, monsieur qui colonel là, nous va parler avec lui. Monsieur en direction de Trinidad et Tobago. C'est sur même question qui en 45e réunion régulière des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. À cette occasion, le Premier ministre a profité de rencontrer avec Abgayen pour lui faire plusieurs rencontres bilatérales là-dedans. Quoi que je vois rien pile là bien pour le rencontrer avec divers responsables. Non, soit c'est un pigeon voyageur. Un pigeonlier. Et les bon ça le café. On a notre nèg là et là, non l'âge nèg là. C'est enjoy lié. Eh, voyez aux enjoy. Enjoy. Non. Bah touriste là pour ou bien. Bon, non là il là dit enjoy là, non, je profite à enjoy tout l'autre voyage dans niveau ça. Il y a enjoy là dedans tout. Nous te Jamaïque là comme on nous avons enjoy. Non, l'autre non, grand monde n'a profité enjoy. Non, grand monde n'a profité enjoy tout, pas oublier. Non, l'âge monsieur c'est lui qui a fait. En tout cas, et vendredi dernier, justement dans l'émission que nous avons gagné ici à l'émission Matin Débat, nous t'es parlé. Nous avons considéré comme étant une rare émission qui met un gros accent sur la visite du secrétaire général de l'ONU, ancien premier ministre Portugal. Il s'agit de António Guterres. Monsieur, ça nous connaît déjà, qui fait bon parler, qui parle en pile d'Haïti ces derniers temps depuis l'arrivée, ou comme dit, d'Ariel Henry au pouvoir. Suite à la demande officielle, parce que il s'agit d'un conseil des ministres qui était réuni, qui décidait qu'il y a fond demande pour demander une force militaire
sous sol pays d'Haïti. Antonio Guterres te prend en charge de dossier. On sait le gros parcours que monsieur ça te fait à travers des médias pour les mêmes parler, faire appel, lancer une alerte vers la communauté internationale pour demander venir sauver Haïti dans situation difficile que les trouver aujourd'hui. Nous songeons tous sorti Antonio Guterres te fait dans le mois d'octobre dans la question pays loc parce que gouvernement ça que nous gagnons là de décider ou ta cap di en veille contre tous pour augmenter puis gaz là sous marché là mais ça tout le monde a décidé prendre la rue ou ta pral konnon l'autre pays loc après tout ça ne fin konnen sous Jovenel yo maintenant Ariel ta pral prendre premier puis gros frappe li avec question pays loc suite à augmentation prix produit pétrolier. Monsieur a été clairement sorti en parler d'Antonio Guterres qui te dit que mouvement ça que nous ouais dans la rue non Jean-Pierre est là, c'est pas peuple vraiment qui a manifesté. Mais c'est plutôt c'est monde qui gagne l'argent yo, gros intérêt yo. C'est eux-mêmes justement qui a fait tout ça qui a déranger pouvoir là, c'est pas peuple là vraiment. Nous songer tout golobé ça te fait. Mais nous t'analyser le vendredi dernier, nous te dit est-ce que la visite d'Antonio Guterres bon bagaille que la poté véritablement pour Haïti et presque à l'unanimité, nous te conclu que pas gain grand-chose que nous cap espérer. Également l'intervention de Stanley Lucas à l'émission de vendredi te dit non mais qui ça bagarre là yé analyse nous yo qui te prend place qui te confirmé encore mais qui ça lié parce que si n'a contrôle les nombres de visites communauté internationale là commission et visite spéciale yo gon genre le spécial par contre pour ça le spécial parce que pas ouais en réalité qui ça qui spécificité question les ovni c'est chita discuter avec moun ki nan politique yo même moun yo d'ailleurs c'est même visage yo mais en réalité pas ganyen ki change ki ça en réalité que nous gen droit comprendre de visite ça qui fait comme annoncé vendredi a zanmi an débarqué nan pays a en chambre de baliscade rencontrer un paquet politiciens nan classe politique là m'a parlé de même moun yo le premier ministre Ariel Henry rencontré de l'autre personnalité ou ta cap dit important dans pays a t'chi ta parler avec lui. Donc ça fait nous pour aller rapide vite et là m'a pas sauvon un moment avec le colonel Imler Ebu sur question ça et nous gagne également Ricardo nous pas complice avec ensemble d'invités ça nous pour aller essayer analyser question ça juste avant nous entrer l'ensemble de l'autre point qui au même a dominé actualité politique là pour jeudi lundi si là qui est même c'est 3 juillet 2023. Nous allons essayer rapide vite rentrer en contact avec colonel Imler Rebu juste avant que nous parler avec Ricardo nos pap complice pour nous garder qui ça en réalité bagala lui-même lié Vladimir qui ça nous cap comprendre parce que c'est même bagayo Vladimir. Même bagayo. Même bayo même ça nous oh oui, c'est ce sont les mêmes train c'est même et monter descendre yo les mêmes train oui même bayo ouais je vais dodo titi il y a un pile monde qui parlait colonne a fait contact là il y a un pile monde qui parlait de visite de cour 3 alors visite de solidarité au chef du gouvernement moi pensais que si c'est à le cas et son belle solidarité pour le premier ministre. Mais c'est très malheureux, c'est pas pour le pays. Et dans sa pays, il y a là, pour appuyer le docteur Ariel Henry, pour solidariser le docteur Ariel Henry, comme c'est pour l'un. Non, mais. C'est pas sans raison que je me fais rappel ça. Je rappelle pour nous, en octobre dernier, lors de question pays loc, là, Isaïe César, Vladimir Galette, qui ça qui te dit? Qui j'en ai mis en te sorti, les mêmes pour te.
piétiner mouvement que tu as fait dans la rue avant que nous retournions sur ça. Colonel Rebu, son plaisir pour nous faire causer ça avec vous matin, malgré nous connaît et programme journée en chargé dans mes. C'est évident, ma belle, salut tout pour nous cap côté, n'a pas salué toute équipe là. Nous pouvons vous aider, ben là, dire bon pour moi, et puis ma petite question que vous posez. Mais oui, alors, nous avons discuté.